Bonjour. Aujourd'hui, nous faisons un peu de lecture. Nessuna lezione nuova oggi, solamente lettura. Due brani che io ho sul mio libro per i miei alunni. Ho deciso di registrarli e pubblicarli e condividerli con voi in modo tale che dopo tutte queste prime 26 lezioni fatte, voi possiate mettere in pratica le regole di fonetica, di pronuncia che abbiamo incamerato, visto e rivisto attraverso questo percorso iniziale di queste 26 prime lezioni. Quindi vi faccio lo share e vi suggerirei di bloccare lo schermo, di tentare di leggere voi, ok? Se avete una stampante tanto meglio, almeno avete il brano sotto agli occhi e poi lo leggerò io in modo tale che possiate correggere gli eventuali errori di pronuncia. Sono due. Allora, cominciamo con questo. Per esempio, le feste in Francia, les fêtes en France, ok? Se volete ingrandirlo. Potete usare la funzione zoom, così per esempio, ok? Lo metto così, lo faccio scorrere, c'è tutta questa roba, ok? Questo è il primo. Provateci, l'ho comunque evidenziato tutto, quindi potete oramai averlo sotto gli occhi e tentare di leggerlo e di tradurlo, perché aggiungiamo anche delle parole nuove, ok? Allenatevi e poi leggo io. Tra 2 secondi, quindi bloccate pure lo schermo. Allora, les fêtes en France. En France, tutto au long de l'année, on fête des événements. Guardate già quante difficoltà ci sono solo su questa frase, su questa prima frase. France ha la E muta, O-U si legge U, A-U si legge O, la G di long non si sente, année c'è l'accento, quindi la E in questo caso si sente. Ma qui no, vedete, fête finisce con una E muta, eccetera, eccetera. Solamente la prima frase vi tedio con questa spiegazione in italiano, per il resto vado oltre. Comunque, eventualmente avete tutta la lezione numero 1, se non ricordate le regole della pronuncia. L'année è formée de 365 jours qui peuvent être ouvrables, ouvrés et fériés. Les jours ouvrables correspondent, mi interrompo perché qua sicuramente i miei alunni leggerebbero correspondent, insomma non riuscirebbero a leggere bene questa desinenza, ma come vi dicevo in lezione 6 è l'ultima, la terza persona plurale si pronuncia come le prime tre singolari, ok? Quindi corresponde au jour où il est possible de travailler et les jours ouvrés correspondent au jour normalement travaillé par les salariés. Normalement, il s'agit de 5 jours par semaine, du lundi au vendredi. Les jours fériés sont des jours chômés durant lesquels on ne travaille pas, mais qui sont payés. Ce sont des jours de fête païenne, religieuse ou qui commémorent des événements du passé importants pour le pays. Sotto, giallo. Allora, tutte le feste francesi. Depuis vuol dire da. Depuis 1947, le 1er mai est un jour chômé et payé en France. Dans de nombreuses villes, les syndicats organisent des défilés, mais c'est aussi la fête du muguet. Traditionnellement, on offre un brin de muguet comme porte-bonheur. Porta fortuna, bonheur et félicité, ma porte bonheur et porta fortuna. B. Le 25 décembre est une fête chrétienne qui commémore la naissance de Jésus. On se retrouve en famille autour d'un bon repas et les enfants reçoivent des cadeaux du Père Noël. Quindi A e B più o meno tradizionalmente Francia-Italia è uguale. Père Noël ovviamente è Papà Natale, Babbo Natale. Reçoivent, vedete qua com'è difficile, c'è cediglia, poi c'è OI e c'è la desinenza della terza persona plurale, facciamo attenzione. Lettera C, lettera C. Cette fête, le 2 février, aussi appelée la fête des chandelles, a une origine païenne. Aujourd'hui, c'est l'occasion de préparer des crêpes. La tradition veut que l'on fasse sauter les crêpes dans une poêle en tenant une pièce de monnaie dans la main droite afin de connaître la prospérité toute l'année.
questa è una festa differente, non c'è in Italia. Jusqu'en, vuol dire fino a, jusqu'en 1564, la nouvelle année commençait le 1er avril. Or, à cette date, le roi Charles IX décide qu'elle commencera le 1er janvier. En souvenir, cette journée est devenue une journée de farce. Depuis, on accroche discrètement dans le dos de ses amis des poissons en papier. C'est une journée de blague entre amis, mais aussi à la radio et à la télévision. 1er aprile, simile. La nuit du 31 décembre, on fête l'arrivée de la nouvelle année. Ça, c'est en France et en Italie, c'est la même chose. F, le 1er novembre est une fête catholique. Ce jour, l'Église honore tous les saints, comme en Italie. G, cette fête, liée au Mardi Gras, est célébrée dans les pays chrétiens. Il s'agit d'une période où les habitants des villes se déguisent, si mascherano, et font la fête dans les rues. C'est le carnaval. Numéro H, lettre H. La commémoration de la victoire alliée sur l'Allemagne nazie en 1945 a été fixée à la date du 8 mai. Depuis 1981, c'est un jour férié de commémoration nationale. I. Le 14 juillet, on commémore la prise de la Bastille en 1789, jour symbolique de la fin de l'absolutisme. On assiste à des défilés militaires et on peut admirer des feux d'artifice. Des bals sont organisés et les plus populaires sont ceux organisés par les pompiers. Enfin, lettre L, le dimanche et le lundi de Pâques sont des jours fériés. Les enfants vont chercher des œufs, des cloches ou encore des poules en chocolat cachées dans les jardins. Lungo, eh? Tutte le feste in Francia. Ricordatevi férié, che è il contrario dell'italiano. Férié vuol dire festivo. La traduzione, sono quasi tutti i verbi al presente, dovrebbe essere abbastanza fattibile e comprensibile. Ma secondo Cher, un altro brano più piccolino, che è, adesso ve lo faccio vedere, questo. I simboli, les symboles de la France, piccino, piccino, piccino. Allora, aspettate che se volete ingrandisco, così anche voi potete leggere meglio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti di cose importanti per la Francia. Ma sono qui questi brani non solo per tediarvi, quanto proprio per farvi allenare in lettura. Tante volte, più vi allenate, più vi sveltite, più acquisite fluidità. Allora, le drapeau, la bandiera, è maschile in francese. Le drapeau bleu, blanc, rouge è il simbolo della France. E fin qui. La devise, il motto, la devise della France è liberté, égalité, fraternité. Elle vient de la Révolution française. 3. Le 14 juillet est le jour de la fête nationale. Un défilé militaire a lieu sur les Champs-Élysées à Paris. Des bals et des feux d'artifice sont organisés dans toutes les villes. 4. La Marseillaise est l'hymne national français. Il accompagne les manifestations officielles ou sportives. La Marseillaise a été composée par Rouget de Lisle en 1792. 5. Marianne est le symbole de la liberté et de la République. Elle est représentée par des bustes de femmes dans les mairies, mais on peut la voir aussi sur les timbres et les centimes d'euros. Enfin, numéro 6, le coq, il gallo, était le symbole de la Gaule. Aujourd'hui, il figure sur le sceau de l'État. Il représente aussi la France dans les manifestations sportives. C'est le coq sportif. Voilà, vi suggerirei di leggerlo tante volte, di leggerli tante volte per migliorare la pronuncia. Oggi era uno stop dalle lezioni di grammatica che riprenderemo sin dalla prossima volta, anzi la prossima volta, lezione 28, sarà soprattutto lessico, impareremo a dire, a prevedere le previsioni meteorologiche. Quindi a presto.